plusieurs autres médias, gens que tout le monde qui t'a suivi, t'es ouais là, yo tout yo gen passé qui donc yo gon bilan, contrairement à ça certains an yo t'a voulu faire quoi. Dans 5 candidats ça qui étaient présents dans débat, gen 2 là-dedans yo qui étaient occupés de postes électifs très élevés dans société haïtienne là, yo étaient sénateurs. C'est qu'à Edmond Supplice Bozil et Moïse Jean-Charles, tous les deux étaient sénateurs. Gon troisième Jude Célestin qui était occupé un gros poste tout dans l'État, il était directeur général CNE. Et CNEA sous Préval, c'était une grosse institution que le était, institution publique qui était impliqué dans faire route et dans et comme bras armé gouvernement. Et il était proche Préval. De l'autre candidat qui était présent, Jovenel Moïse, il racontait nos success story concernant et c'est un président qui mettait en orbite et ce dernier président qui était élu qui était en tête pays, hein, c'est Michel Joseph Martelly Kouen Kouen. Et puis il y a Maître Jean-Henri Séan qui lui-même pas jamais occupé aucun poste dans l'État, aucun poste public, son notaire. Mais pas occupé poste dans l'État, ça ne veut pas dire que le pas proche une série de pouvoirs qui passaient dernièrement dans tel pays. Tout le monde connaît, il était très proche ancien président Jean-Bertrand Aristide. Et dossier, il y a un dossier qui balle en pile problème, qui fragilise le dans la campagne électorale, là, c'est question affaire opération Kazekaye en bas la ville, là, comme notaire, il était offri service, li, mais en pile monde assimilé ça à proximité, il était gagné avec Michel Martelly. Donc, il était gagné rapport avec une série de monde qui t'a dirigé le pays. Moïse Jean-Charles, il était dans le cabinet président Préval, et il toujours revendiqué le rôle, il était joué côté président Préval, en tant que monde, d'après ça, il dit, et il était crédit, qui te mené des marches pour Haïti te bénéficier programme ça qui sont programme phare et gouvernement prévalent Petro-Caribé. D'ailleurs c'est en bas bannière unité qui était élu comme sénateur dans l'année 2009. Moïse Jean-Charles à la fois te gen rapport avec Préval mais elle te gen rapport avec Aristide. Il était magistrat Milo pendant 3 mandats, c'était une période très difficile dans évolution Lavalas dans pays avant de devenir sénateur. Même Jean ak Jude Célestin, nous connaît qui était occupé poste ça dans tête CNE et qui était bras armé Préval sous pouvoir. D'ailleurs, te dit c'est une et non et institution qui puis prospère dans domaine élite dans Caraïbes, ça Préval te dit. Donc même Jean ak Jude Célestin, Moïse Jean-Charles vient émanciper de Préval. Et Moïse Jean-Charles divorcé ak Aristide. Et au songer qui vient ça t'est passé, yo mettait le dehors. Et dans la partie famille Lavalasan, c'est ça qu'elle fait, qu'elle crée propre partie PAL. Si que Jude Célestin, c'est ton créature Préval dans l'élection 2010, yo, mais nous pas qu'à dire même gens, honnêteté intellectuelle, obligé nous, en 2015, il était émancipé de paternité, ça. C'est pas en babanier Préval, il était paraître devant la population. Jean-Henri Séan, et il divorce tout avec Jean-Bertrand Aristide après que il était dans campagne électorale, il est après aller dans élection avec l'espoir que t'a joindre appui Jean-Bertrand Aristide qui était en route pour tourner venir en Haïti fin 2010 début 2011 et nous connaît Jean-Bertrand Aristide pas appuyer. Après ça café au pral couler avec ma les Jean-Bertrand Aristide entré dans pays là et puis c'est divorce qui consacré sous la place publique. Si Edmond Supplice Bozil pas de gain parrainage ni Préval ni Aristide ni Michel Martelly pour te entrer dans politique et arriver journée jeudi a on l'a fait encore comme candidat, ça fait deuxième fois li est postulé pour poste là, mais Edmond Supplice Bozil en tant que femme d'état et qui était sénateur li connaît très bien li gen un bilan dans passage li dans Sénat. Par exemple les que te gagné pour te voyager dans moment parlement te gagné pour te ratifier Laurent Lamotte, eh bien il te quitté pour l'autre sénateur et Hippolyte pour te voter pour lui. Sénateur n'a pas jamais expliqué juste ça. Edmond Supplice Bozil parti là fusion
fait alliance plusieurs fois avec le gouvernement qui passait dans le pays pendant la dernière année qui se passait là. Fait alliance avec Préval. Et puis, dernier alliance là, c'est avec Sud Miki, Michel Martelly. Côté, c'est lui-même qui a signé un accord politique après échec El Ranchoa, qui c'était accord politique janvier 2015, qui était signé dans Pétionville, dans Kinam. Et accord ça, c'est lui-même qui a pris accoucher le gouvernement, premier ministre, Evans Paul, derrière le Parlement, puisque pas de Parlement. That's ça. Et c'est à la faveur justement de campagne électorale côté Sud Miki t'est pratiquement virtuellement violé une dame dans Miragouane que madame Supplice Bozil a tout dirigeant fusion yo pral retirer trois ministres te gagné et dans gouvernement ça gouvernement Martelly Paul. Donc tout le monde gen bilan. C'est vrai Jovenel Moïse pas occupé aucun poste dans l'état. Mais cependant il y a des questions qui méritaient pour poser dans ça qui concerne prospérité avec entreprise ça que c'est gouvernement tête calé à lui-même qui t'a fait louange pour lui pas oublier pendant dernier mois il passait sous pouvoir président Martelly passait pratiquement 6 mois il presque pas prêt n'importe prince pour la faire campagne Jovenel Moïse et chaque fois t'a imposé nation succès ça qui c'est succès Jovenel Moïse que investissement plusieurs millions de dollars qui fait quelques informations qui filtrées montrent que t'es gagné en pile parrainage, en pile bénéfice, l'État te permettre que t'es capable d'un financement pour projet ça. Juste dans le moment où on a parlé là, par exemple, quelqu'un qui est capable de faire un bilan indépendant de projet ça. Donc tout le monde lié à l'État. Ça veut dire que tout candidat qui est devant nous, ils ont tous, à des degrés divers, ils ont un rapport. Avec le monde qui est dirigé pays, hein, qui, journée aujourd'hui, ils ont un bilan, ils ont tout passif ça que nous connaissons, que tout le monde a critiqué. Ça, c'est ça qui concernait, ça qui t'est passé, et ça que tout le monde doit assumer à honnêteté intellectuelle. Parce que nous pas avaler tout pour nous tomber dans une situation de perversité générale côté des mondes qui gagnent dossier, des mondes qui coupables, et puis je veux dire, c'est eux-mêmes qui ont dit l'autre monde coupable, comme si eux-mêmes tout d'un coup ont blanchi, ils ont été innocents. Ou bien des mondes qui gagnent responsabilité pour déclarer pas gagner responsabilité, et puis ils ont effacé tête, ils ont blanchi tête, ils ont voulu. Histoire que Haïti toujours était une machine, une grande blanchisseuse qui a blanchi tout le monde, non? Faut qu'on côté nous river, nous camper sous ça. Et que tout le monde assume ça y est. Et c'est ça, nous croyons, qui est important dans le moment où nous vivons. Débat hier soir, pas besoin d'entrer dans tout détail. Parce que en pile monde te ouais, qui ça te dit, format débat, en pile critique, et question yo, gens yo, te formaté yo. Et tant pour candidat te répondre, il y a plusieurs en pile défauts dans le style de débat ça. Mais cependant, il y a quelques points qui t'ont attiré attention. Par exemple, tu as des coups politiques. Tu as des nouveautés tout dans le débat. Moi, j'ai retenu deux dans nouveautés. Youn, c'est candidat plateforme petite de Saline Moïse Jean-Charles. L'autre là, c'est candidate candidate la paix. Et qui peut-il? D'abord, je commence à candidat la PA, Jude Célestin. Jude Célestin parlait de former deux médecins en deux l'année et pour capable bailler pays suffisamment de personnel médical pour faire face à la situation que nous avons. Qui à la fois un manque de médecins, un manque de matériel, un manque d'infrastructures générales. Nous connaissons ça, il fait un buzz. Parce que nous-mêmes, à qui s'en habitué, l'homme entré dans la faculté de médecine, il fait 8 ans l'a étudié. Et les gens qui sont sortis sont docteurs liés en médecine. Donc nous pas habitués à la séquence, à la segment de formation. Ça. Bien que le candidat ait insisté pour dire que ce n'est pas docteur qui a payé, mais nous avons deux candidats qui sont retournés sur le dossier. Ça. Edmond Supplice Bozil qui dit que, attention, vous parlez tout le peuple avec médecin qui a formé dans 2 ans, et puis qui a appuyé candidat plateforme Petite Dessaline, Moïse Jean-Charles. Et dans la façon que l'IT réagit par rapport à dossier ça, ben, c'est toujours problème, non, dans le débat ça, pas de temps. Et pour candidat retourner pour avoir plus d'explications. Mais, nous, quoi, t'es gagné dans le pays la Chine, la révolution Maoua, ça, t'es les médecins au pied nu. C'était des formules qu'on t'es formé, moun, rapidement. Bon, moun qui est intéressé, qui a toujours à chercher,
yo ka toujours al chercher connait si ça existait ou bien s'il pas existait. Mais c'était une formule nouveau et qui suscitait débat. L'autre nouveauté, mais notez qui passait sous silence dans le débat hier soir, c'est candidat plateforme Petite Dessalines. Moïse Jean-Charles pas conformiste du tout. Là, il a parlé de problèmes linguistiques qui sont des problèmes compliqués dans le pays d'Haïti, qui liés à l'histoire, qui liés à sous-développement, qui liés à l'évolution en tant que peuple, et qui c'est un vieux démon que nous avons, que nous avons exploité jusqu'à présent pour qu'une plus forte population dans l'exclusion. Est-ce qu'elle a réfléchi sur la question? Est-ce qu'elle n'a pas réfléchi? Moi, Jean-Charles a annoncé une rupture s'il arrivait comme président avec le monde francophone, avec la francophonie. C'est tout simplement ça. Lui-même lui dit que depuis qu'il est sorti dans le pays, il n'a pas gagné une langue qu'il a parlé. Et il a proposé une langue qu'il qualifie de universelle. D'abord, l'anglais, même s'il souligne l'espagnol, mais dans la démarche, nous pouvons dire l'anglais, il ne peut pas parler, puisque il y a un exemple qui existait et qui sortit dans la francophonie, c'est Rwanda. Ça, c'est une bonne nouvelle. Certainement, mais sûr que l'ambassade de France prend note 5 sur 5. Et tout francophone et francophile qui est dans le pays, il prend note tout. Moi, Jean-Charles, l'elle fait geste ça. Et peut-être, et ça fait demander si tu réfléchis, parce que langue française là, fait partie de 5 langues qui parlent dans les Nations Unies. Ça veut dire, li estampillé langue universelle tout, même si on notait li en régression. Mais c'est une langue de travail, Nations Unies. Et Haïti te joue un rôle, parce que pourquoi décoloniser l'Afrique pour te faire accepter langue française là, et que tous les pays francophones d'après le bénéficier, et en premier la France, bien entendu. C'est un dossier extrêmement sensible. Il y a même dimension avec dossier restitution pour Français. Pas qu'on est. Mais là, nous croyons que candidat Moïse Jean-Charles, il y a un gros morceau et un dossier qui est extrêmement complexe. Même Haïtien qui parle jamais capable de français, il est très attaché à la langue française. Pas oublier, réforme Bernard, la difficulté de gagner, c'était d'abord dans le monde qui pas de lire, pas de écrire, pas de parler français. Il y a toujours besoin pour petit de parler français. Parce que parler français, c'est lui-même qui montrait que y a une ascension sociale pour diverses catégories qui sont plus marginalisées dans le pays. Annoncer une rupture avec la langue française, non? Nous ne connaissons pas si leader plateforme Petite Dessalines, non? Terrain ni compte de Saldian, et s'il en mesure tout, et pour le capable assumer conséquences qui capable venir avec ça. Alors dans l'université langue peut-être anglais c'est la langue la plus répandue dans le monde, la langue la plus parlée, la langue d'affaires, mais nous connaissons une grosse concentration de langues et qui c'est dans le pays la Chine, c'est langue que les chinois parlent. Donc ils ont gros débat sur question linguistique non? Mais malheureusement même j'ai avec plusieurs autres questions encore, il y a pas de temps pour entrer en profondeur dans le débat ça. Donc, c'est deux points qui étaient extrêmement importants et comme nouveauté dans le débat hier soir. Pour nous, dans ça qui concerne les coups politiques. Et de bonnes surprises, Bozil font gros coups politiques. Là, c'est lui-même qui rappelait tout le monde qui était là et puis tout le monde qui peut le garder. On a pris dans la télévision, on a entendu dans la radio, que hier, 20 septembre, non, c'était anniversaire Jean-Jacques Dessalines, fondateur Nation Haïtienne, non? Ça a été fait 258 ans. Qui j'en fait par Moïse Jean-Charles, qui revendiquait l'idée héritage Jean-Jacques Dessalines qui t'a fait annoncer ça. Ça, c'est un gros coup politique que Madame Supplice Bozil fait dans l'occasion du débat hier soir. Certainement, je crois que l'idée de la plateforme Petite Dessalines a encaissé quoi. L'autre coup politique, c'est le candidat PHTK. Là, il a fini le débat. Dans la dernière minute, ils font un gros coup politique. D'ailleurs, que allié lui, ils saluaient. Là, ils viennent demander quelques secondes. Pour mémoire, un homme, il dit que Tabgoumen, contre blanchiment d'argent, contre corruption, qui c'est M. Robert Marcelo. Nous connaissons qui disparaît. C'était gouvernement, sous gouvernement préval. Et pas jamais eu d'explication jusqu'à présent. Si partisans, candidat PHTK tête calé a trouvé son bon point de fait que l'autre monde qui te sentit très mal à l'aise de exploitation politique ça
dans la mesure que parti politique monsieur Jovenel Moïse non li pat jam fait un rien pendant 5 ans de passer sous pouvoir pour te connait qui côté monsieur Marcelo t'est passé pas jam un jour yo pas demandé pour te l'ouvrir une enquête aller ouais pour te condamner ça qui passé. Si que gouvernement non te font des marches sous ça il t'a légitimé pour te dire ça te dit hier soir. En plus de ça, pour ça monsieur Marcelo perdu la ville là, il disparaît là. C'est gouvernement boumain justement pour commission nationale passation de marché public là respecté dans quatre batailles contre corruption. Qui ça PHTK fait lui-même l'arrivé sous pouvoir avec institution publique ça. Si gon gouvernement qui s'appartal qui passe l'en bas pied, c'est bien gouvernement Matéli la motte là. Côté au court-circuité systématiquement. Et tout le contraire, c'est de gré à gré. En plus de ça, candidat PHTK tête Kalea, M. Jovenel Moïse, il est en situation extrêmement délicate. Le fait que il y ait un rapport, ça a eu UCREF fait sous lit. Le rapport en passant pour nous dire, c'est publié UCREF, direction ça a publié, mais nous avons une enquête. Ben, c'est pas, et pas parce que le candidat Kounia là a commencé. Ce bail qui commençait depuis plusieurs mois. Sans que le pas éclairci tête li par rapport à rapport ça qui soudi accablant. Et puis lui-même encore li vient à parler nous de monde qui a bataille contre corruption, de monde qui a bataille contre blanchiment d'argent alors que il accusé dans document UCREF de ça. Nous quoi décence exiger que te éclairci tête li convenablement avant que te vienne faire ça te faire hier soir avec dossier monsieur Marcelo. Mais le bon l'autre point encore, le gouvernement parle. Les gens ont disparu tout. Que par exemple, il y a une nouvelle de lui, qui c'est Zami, président Matéli, qu'on a le dormi la Kaili. C'est Evans Daniel. Donc, nous trouvons très mal placé pour venir bailler le son ça hier soir. Mais ça qui est gênant en plus dans le dossier ça, nous sentons que, puis il y a un candidat, il y a une accusation, corruption. Accusation assassin contre candidat la PA qui c'est Jude Célestin. Quitte c'est candidat Moïse Jean-Charles, quitte c'est candidat Edmond Supplice Bozil, quitte c'est monsieur Jovenel Moïse qui lui-même avec en pile l'adresse en finale aboutit à même conclusion. Mais il y a une candidat, c'est peut-être format émission en tout. Yo youn la donne pas arrivé accusé candidat carrément. Alors que dans la campagne électorale, pas de monde qui a fait mon cadeau, ou un dossier comme ça, c'est mettre à terre. L'autre coup politique gagne mettre Jean-Henri Seyan qui t'a essayé tout sous dossier CNE. Quand elle te dit CNE pas de exister. Jude Célestin te répond ni, mais nous t'attendons réponse candidat Moïse Jean-Charles qui t'a dit que si CNE pas existé, il y a des monde qui va t'être riche. Donc, il est accusé, candidat à la PA, Jude Célestin, d'après avoir monsieur, il est enrichi personnellement et de façon illicite et avec CNE. Et c'est même accusation, tout Edmond Supplice Bozil gagne pour lui. L'Edmond Supplice Bozil déclaré que, moun qui gagne contrat pour te faire plusieurs kilomètres de route, qui fait un petit crasse, oublie combien exactement, et qui pas fait restant. Alors que Moïse Jean-Charles dit qu'on a été campé dans le temps de taureau, ça a eu un contrat avec l'État haïtien, en parlant de Jude Célestin. À Jovenel Moïse et qui parle honoré contre elle. Mais, téléspectateurs, auditeurs, l'y était quoi qu'on dit sous fin ni? L'y était grand goût de explication dans mes candidats qui pas aller aussi loin et en même temps tout qui pas comprendre que candidat, la PA, Jude Célestin, qui était pratiquement acculé parce que presque tout candidat était fait courir sous lui et lui-même qui pas répondre, même s'il bail deux, trois petits coups, mais il pas arrivé et prend une position et une distance. Qui pour éclaircir situation ça définitivement. Il va même essayer utiliser youn en tant que te gagne pour te rejeter catégoriquement accusation ça yo. Il contente seulement pour dire que un candidat à la présidence pas de servir avec rumeur. Ça qui pas de gagner dans le débat hier soir. Premièrement, ou pas qu'à situer idéologiquement pèse moun. C'est vrai, sénateur Moïse Jean-Charles revendiquait de la gauche. Et gauche ça, il étonne à Dessalines, puisque il dit c'est lui-même qui porteur et revendication et idéal des Salinières.
Mais après ça, pas qu'il y a rien dans le débat qui te montre que il y a un projet qui est différent de l'autre. Parce que tout candidat a fait face à le même problème. La différence, non. C'est dans quel système il peut entrer pour être capable de résoudre le problème. C'est qui qualité solution il peut porter. Et c'est dans ça qu'il y a une marque fabrique idéologique. D'ailleurs, le candidat n'a pas même besoin d'où qui idéologie. Dans la démarche, dans ça qu'il fait, il peut être différent. Madame Suplice Bozil, te parler lui-même de ses social-démocrates. Bien que nous pas en ken en yen dans le débat hier soir qui te montre une différence. Parce que Jean question été faite là et Jean réponse été bail là, nous pas senti te gon approche le système nan, qui mettait nous là. Et de façon systémique, comment yo pral approcher pour porter solution. Ça mène nous en gros dans ça qui pas dans le débat ou bien qui t'est abordé mais qui pas abordé dans fondamental li. Par exemple, sous système économique là, qui produit toute misère, ça, toute pauvreté, qui réponse candidat ça a gagné, qui préoccupation yo, et qui moyen yo gagné pour bay réponse, pour retirer population dans la misère. Parce que premier ennemi numéro un peuple haïtien, c'est ignorance avec la misère. Yo te abordé superficiellement question protection sociale. Là. D'ailleurs, je nous appelle sous ça. Un médecin qui est très préoccupé le fait que la question ne soit pas abordée sérieusement, surtout dans ce qui concerne les gens âgés qui laguent dans le pays, pas grand-chose appui. Mais c'est même pas pour tout le monde. C'est même pas pour les célibataires, les gens qui ont petit qui n'ont pas papa. Nous chargeons avec problème social. Qui système éducatif qui est capable de bailler les haïtiens la même chance? La question ne pas poser. Il n'y a pas de débat. Système judiciaire, un pays qui n'a pas justice, qui compte le aller? Relation internationale, Haïti, d'abord avec États-Unis, ensuite avec Nations Unies, Mission Minusta, avec République Dominicaine, question ça n'est pas posé. Minusta, Nations Unies, choléra, mais qui ça qui baille choléra? Qui a choléra fait pour en Haïti? C'est parce que pas de l'eau pour le peuple en sa vie, pas de latrine, c'est des questions fondamentales, question ça n'est pas posé. Il n'y a pas de débat du tout. En plus de ça, pas de chiffre. Il y a quelques promesses qui fait, mais très vagues. Donc, ça la gonne en insécurité, on va demander, on prend un compte au préalé. Parce que faut que tu chiffré, faut que le candidat t'a venu avec des chiffres pour dire, mais ça moi-même m'a disposé, mais qui j'en baille a fait, mais ton a disposé, pas de bagaille comme ça. Et puis, format débat qui évite affrontement direct entre candidats. Alors que, c'est une occasion unique pour tout le monde de vider sa cœur et pour tout le monde de capable, ouais, qui sa chaque monde gagne. On dit à couture qui s'est reporté. Et en plus de ça, tout journaliste pas capable de retourner, ça relance, faire retour et sous question yo. Donc ça c'est tout grand défaut qui gagne et non formule j'y appelle, mais c'est pas nous même qui premier monde qui va le voyer wash sous lit. Malgré des folies, il te permettent que nous te ouais et nous t'attendre et évaluer en même temps bon nous leur juste qui côté nous y est. Dans société haïtienne mi wo mi ba ça. Qui a charé bagaille qui a passé dans pays étranger mais qui pas baï tête en quel moyen pour capable gagner yo et qui accepte une société segmentée et côté que nous pas parler à tout le monde en même temps sous même niveau. De l'autre marque pour me finir. C'est deux mesdames candidatures. Maryse Narcisse choisit pour pas venir. Probablement les grands exemples devant. Tes grands candidats qui pas parler à personne. Il était choisi une stratégie bébé et il est arrivé à remporter l'élection en 2006 sur les René Préval. Est-ce que cette formule ça, candidat Fomila Valastan, a pu utiliser en 2016 pour être capable de gagner l'élection? Deuxième candidat là, c'est candidat Fusion. Il a une formule tout que l'utilisait hier soir, et de bonne supplice Bozil. Formule ça, il l'autre candidat qui a utilisé et il est arrivé sous pouvoir. C'était dans l'élection 2010 sur LL, Michel Joseph Pateli. Tout le monde pourri, ni même seul qui bon. Tout le monde était dans le système, non? Ni même ni pas de jambes dans le système. Non? Et c'est même formule, non? Et bonne surprise, Bozil utilisé hier soir. Rete pour connaître, est-ce que formule ça yo, y a poté de bon pour tous les deux candidats ça yo, qui parmi candidats qui s'est dans pole position et qui a utilisé une formule manger réchauffé. Et peut-être, nous ne connaissons pas, c'est ça que nous pensons, et en toute liberté,
c'est ça nous te vle dit et c'est ça nous te wè comme remarque concernant J.A. Plan qui pas parfait mais qui portait des informations précieuses pour nous. Il portait la caille